salut à tous, c'est ShadowWeaver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 3. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas proposé de gameplay sur Black Ops 3. Et d'ailleurs, sans plus tarder pour ce petit moment carnage, c'est parti. Voilà les gars, donc aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay de Call of Duty Black Ops 3. En tout cas j'espère que vous pétez la forme, puisque moi pour cette nouvelle vidéo, comme vous le savez, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur Black Ops 3. Donc aujourd'hui je pète la forme et je suis tout content de vous refaire et de vous reproposer des vidéos sur Call of Duty Black Ops 3. Pourquoi? Tout simplement, j'avais quitté un peu le jeu, tout simplement parce que je profitais paisiblement de Call of Duty Ghost. Non pas du tout, je rigole bien évidemment, j'étais sur Star Wars Battlefront et sur Assassin's Creed Syndicate, qui sont des jeux vraiment plutôt cool et qui m'ont permis de découvrir autre chose que Call of Duty Black Ops 3. Mais c'est vrai que quand je suis revenu petit à petit sur le jeu, j'ai pu faire des bons carnages, surtout quand j'étais accompagné. Donc là pour cette partie, j'étais accompagné de Airy Lou, donc j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo Facecam que vous avez bien aimé. Donc franchement merci beaucoup pour les retours que vous avez eu, même au niveau des commentaires et des likes. Donc si vous ne savez pas qui c'est un très bon pote à moi, donc encore une petite dédicace pour cette vidéo parce qu'on a fait tous les deux des assez bons scores. La game que je vous propose aujourd'hui se déroulait sur la map Redwood, une map que j'affectionne tout particulièrement puisque je la trouve assez grande. On a la possibilité en plus d'aller dans l'eau et franchement je suis un fada de l'eau sur Black Ops 3. Je trouve que c'est vraiment hyper fun de pouvoir aller dedans, nager, même tuer les ennemis. Franchement c'est une super idée que nous ont développé Treyarch. J'étais aussi, comme vous pouvez le voir, accompagné de ma chère XR2, une arme que j'aime vraiment assez bien. J'étais d'ailleurs en train de la monter en or à cette époque là tout comme Airelou monter la Pharo en or. Donc c'est une arme que j'aime aussi beaucoup, mais je ne joue pas très souvent avec parce qu'il faut savoir quand même bien la gérer. Donc si vous avez des facilités sur Black Ops 3, n'hésitez pas à la prendre parce que je pense que vous pourrez réaliser des carnages. C'est une arme à rafale, c'est une toute petite arme. Je sais vraiment pas comment ils ont eu l'idée de cette petite arme, mais je la trouve assez cool. C'est un design plutôt chelou, mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas vous allez pouvoir voir que on était bien raccord tous les deux. C'est un petit conseil que j'aurais à vous donner aussi, quand vous avez l'opportunité de jouer avec vos potes sur Black Ops 3, n'hésitez vraiment pas, parce que quoi de mieux que de jouer entre potes, parce que vous êtes tranquille pépère, pendant que eux sortent les drones, les haters, et vous pouvez enchaîner les kills, enchaîner les séries de points, et ensuite faire des beaucoup plus gros carnages. Je ne vous parle pas forcément d'être en team, mais de tout simplement avoir quelqu'un avec qui jouer. Vous pouvez être avec simplement une personne en plus, ou plusieurs, et comme ça au moins si vous êtes encore plus, donc plusieurs, vous pourrez tout simplement avoir encore plus de haters et de drones et réaliser de plus gros carnages. Après c'est à vous de voir. Nous pour la partie on s'est vachement bien entendu, on a fait des super bonnes parties ensemble durant plusieurs semaines, surtout pendant ces vacances là, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire des carnages entre potes. Ça fait plaisir parce qu'on s'entend, on rigole, en même temps on rage un peu parce que des fois on se fait tuer, on ne sait même pas comment. Donc voilà, c'est un petit conseil que j'aurais à vous donner, même si en ce moment on voit beaucoup de gameplay performance, de team performance, de grosses nuques, de double nuque, de triple nuque, même avec les pistolets, avec le couteau. Je pense aussi à vous, ceux qui ne savent pas bien jouer sur Black Ops 3, qui ont des difficultés à le prendre en main, et ceux qui ne gèrent pas trop. Je ne vous oublie pas parce qu'il y en a beaucoup qui savent gérer, mais il y en a beaucoup aussi qui n'arrivent pas à gérer le jeu. Du coup c'est un petit conseil que j'aurai à vous donner. Je me suis peut-être un peu répété quand je l'ai dit, mais c'est pour bien que vous compreniez, et j'espère que tous les petits conseils que je vous ai donnés vous ont plu, que vous pourrez les mettre à profit. Je souhaite aux joueurs qui font déjà ce genre de score de continuer à nous faire rêver, parce que moi j'aimerais beaucoup claquer la nuque sur ce Black Ops 3. Peut-être qu'un jour j'y arriverai ou pas, mais déjà les plus de 60 kills me font déjà super plaisir parce que je vous les propose et vous ça vous fait super plaisir. Donc si moi aussi ça me fait plaisir, franchement quoi de mieux. Et dernier point de cette vidéo, je voulais vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Snapchat et Twitter, là où je suis pas mal actif, et je vous conseille d'ailleurs de me rejoindre, comme ça vous pourrez savoir quand les prochaines vidéos sortiront. Vous pourrez m'envoyer des messages,
message. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans une vidéo, vous pourrez me redemander. Même si vous voulez m'envoyer des messages de soutien, vous pouvez. En tout cas, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de bien commenter. J'espère en tout cas que mon commentaire vous a plu. J'essaye de m'améliorer de jour en jour. Et ça, j'espère que c'est de mieux en mieux pour la chaîne et que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si tout ça n'est pas déjà fait. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout ce que vous voulez. Prochaine vidéo sur Star Wars Battlefront, une vidéo astuce qui j'espère vous plaira. Moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao les gamers, c'était Shadowweaver. Peace.